6h25 du matin. Je me réveille dans une chambre d'hôtel, puis une autre. Des oreillers durs, je n'oublierai plus jamais le mien. Quel jour est-il? Qu'importe. Les garçons sont sortis toute la nuit? Ah, le café de Chris Benchetler. Comme toujours, Eric Pollard ne pense qu'à une seule chose. Eric, dont l'esprit flotte sur ski, est un ninja de haut niveau. Il pense à tout et à rien. D'où est-on parti? Engelberg, la Suisse, Runibanen, les Dolomites et toute la magie de l'Italie. L'Autriche et les Alpes du Japon. Chaque jour est la garantie de se retrouver dans un temps sans fin à travers le monde, loin de tout. Les garçons sont obsédés par surfer les montagnes. Eric imagine qu'il voit des coussins de neige de la taille de brontosaures. Il esquive des ptérodactyles. Carte postale de Chris à sa femme Kimi. Cher Kimi, je t'écris de la Suisse. Il fait très beau ici et nous adorons voir les Alpes. Tout mon amour a réussi à toi. Bisous, Chris. Les garçons partent demain. La façon dont il regarde les montagnes va me manquer. アメリカ人スキーヤーは少し変わってるけど、いつも笑顔です。エリックはどの国に行っても地元気分です。日本人に限界はない。ペップ・フジャスが来た時に言った。
冒険のない生き方は考えられない。知ってるようであり、また知らないジプシーのようでもあった。彼らの前にはたくさんの悲劇がある。見たのは雪だけ？凍った分子の真髄を見た。暗闇と黒暗を見た。彼らは無限の可能性の影を見た。